Mes chers collègues, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Tout d'abord, une excellente santé, car c'est la base de tout pour pouvoir réussir au niveau professionnel et au niveau personnel. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter mes vœux également à toute votre famille et à vos proches. Joignez-vous à moi pour souhaiter à SCC une excellente année 2020. Nous devons continuer sur notre dynamique de business tout en transformant la société pour le futur. Nous devons transformer notre moteur opérationnel, avoir des processus plus fluides, avoir un système d'information plus moderne au service de nos opérations et de nos clients qui sont d'ailleurs de plus en plus exigeants sur l'outillage que nous pourrons leur proposer. L'année 2020 va voir le lancement de plusieurs chantiers très importants pour notre futur qui vont s'étaler sur plusieurs années et qui visent justement à avoir une société plus moderne avec des coûts mieux contrôlés pour pouvoir être au service de notre business et de nos clients. Mais je voudrais revenir sur les éléments plus importants de l'année 2019. Tout d'abord les services. Notre profitabilité s'est améliorée de façon notable et je remercie tous les personnels qui ont œuvré tant au niveau des opérations mais également de l'avant-vente et des ventes pour apporter des contrats mieux qualifiés et plus profitables. Nous devons continuer absolument dans cette voie et je souhaite à la direction service une année profitable pour l'année 2020. Je voudrais également féliciter la direction achat qui a lancé un appel d'offres pour le choix de nos grossistes qui vont sensiblement améliorer notre efficacité, notre profitabilité pour l'année 2020. La direction logistique, qui est en train de migrer son outil logistique de LM7 vers LMXT, qui va être la préparation absolument nécessaire pour lancer Soyuz, qui va être une suite logicielle permettant d'être plus efficace pour nos opérations de maintenance, d'en assurer la logistique et également de pouvoir développer de nouveaux partenariats, comme celui que nous venons d'annoncer par exemple avec le groupe La Poste, qui devient un sous-traitant important de SCC. Je voudrais également féliciter la direction des relations humaines qui a lancé cette année de nombreux chantiers. Par exemple, la cartographie des compétences de nos managers, de nouveaux programmes de formation, des réflexions pour préparer là aussi SCC à avoir un pouvoir d'attraction nettement supérieur pour pouvoir attirer les ressources humaines de demain. Nos FAE ont diminué, se sont améliorés. Les pénalités que veulent nous appliquer les clients ont été réduites. Je félicite la direction d'administration des ventes pour ces résultats. Le service marketing et communication, qui à travers son action, fait changer l'image de notre société, fait changer son rayonnement et nous rend beaucoup plus attractifs également pour les collaborateurs. Quant au business de la distribution, nous avons continué notre croissance basée sur un fort gain de nouveaux marchés des années précédentes et également de cette année. Nous avons gagné de nombreux contrats nouveaux. Nos marges se sont stabilisées. Nous devons absolument, en 2020, continuer à les améliorer. Je félicite tout le commerce pour cette performance. En bref, notre société est idéalement placée sur son marché. Nous devons continuer dans notre progression de conquête sur le business tout en améliorant sur le long terme nos processus, notre moteur opérationnel, nos systèmes d'information pour pouvoir tirer une profitabilité bien supérieure que celle que nous avons réussi à engendrer jusqu'à présent. Je vous souhaite encore une excellente année 2020. Merci.